vivant, Gbagbo. Ça ne peut plus. Allah, ça ne peut plus. L'arrivée de Gbagbo. Les vieux, il ne faut pas filmer, il faut faire direct Facebook. C'est ce qu'on fait aller là. Regardez. L'arrivée de Gbagbo. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Venez en masse, mettez les j'aime, cliquez j'aime. Regardez ce qui se passe dans le pays là. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Thank you.
c'est foutu. On a vous. Ça va filmer le vieux, c'est direct, pas direct. C'est direct qui est bon. Là, tout le monde entier à la voix. Quand on filme, ça met en retard. On sait pas, ils ont quoi, on sait pas, ils ont quoi. Ils sont lancés à crimo sur nous. On a arrêté tranquillement, dit faut pas arriver à l'aéroport. On garde ça à quoi bah. Nous sommes à quoi bah, on soit lancé à crimo sur nous, on dit qu'à rentrer. Nous sommes à quoi bas. On a un camp demain. Tire quoi? Regarde, c'est gâteau, nous tous sur le site terrain. Comment ça? On va pas quelque part. On a site terrain. Ça va pas quelque part. On est des années. On en est dedans. On pleure dedans. Et puis c'est pour moi, putain. Hein? Et ça, ils disent. Intelligence. Non, va détruire. Attends, ils cherchent non. Ils veulent, si on a détruit les choses, ils vont bloquer le col là. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Respectez l'arrivée de Gbagbo. C'est à l'hôpital, ils sont attirés comme ça. Et ça, ils disent qu'ils sont intelligents. Dans l'hôpital, des gens qui ont besoin de souffle. Où jeter un acrymogène là-bas. Moi, c'est du terrain. Regroupement.
En direct. On filme pas, c'est direct. Le monde entier va voir ce qui se passe. On dit le retour d'un président, ex-président. Il y a ce qui se passe. Il y a acrimogène d'hôpital. C'est gâteux. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Nous sommes entre le 31 dimanche et la 300 chère là. Vous avez pas, il y a un groupe de CRS qui en perce la population. Allez à la réponse pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Augmentez, venez voir ce qui se passe à Kouaba. On nous empêche d'accueillir. On nous empêche d'accueillir notre président. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Nous sommes venus accueillir notre président Gbagbo. Et puis. Faites des pieds de drapeau là. Voilà. Et nous gardons des lacrymos. Il a essayé de même tirer barrière sur nous. Mais ça n'a jamais vu ça, c'est quelle honte ça. Ça n'a jamais vu. Ah, les mains nulles. Pour venir accueillir Laurent Gbagbo. Notre président. Rien ce que cela fait avec les autorités nous empêchent. Les gars nous empêchent. Mais nous là, on a tout donné à Dieu. C'est ce que Babou nous a montré. C'est la parole. Et de connaître Dieu, c'est tout. Venez. Ça brûle maintenant dedans. Il n'y a pas poudre, ça brûle maintenant dedans. Les gars, oh, Tous les mains cailloux. On peut pas partir à trois. Ils ont qu'à venir en former un bain. Laissez-moi aussi des services. Mais voilà moi aussi terrain. Voilà moi aussi des services. Hein? Ici des services. Mais voilà moi aussi terrain. Aïe.
cailloux. Pas de cailloux, hein, pas de cailloux. Pas de cailloux. Pas de cailloux. Pas de cailloux. Déposez. Déposez les cailloux. Déposez les cailloux. Déposez les cailloux. Pas de cailloux. Déposez les cailloux. Regardez le 43e bimet là même. Et tous. Mettez les jambes, regardez. On veut notre président, retour notre président Laurent Gbagbo. Seulement que son retour, et voilà ce qui est en train de se passer. Ce pays va étonner le monde. Et on est là jusqu'à demain. On ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. Lui, on ne bouge pas. Et on ne bougera pas. Mettez les queues, les jambes, mettez les queues, les jambes. Ils sont là me signaler, mettez les queues, les jambes. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Yeri, 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 c'est assez. Yeri, oh. C'est pour dire que le Gbagbo n'a pas de popularité. Les preuves sont là. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Après 10 ans de procès inutile, le président Laurent Gbagbo a été acquitté et il est question qu'il rentre pour la réconciliation parce que c'est le chaînon manquant de la réconciliation. Et lorsqu'on nous a annoncé que le président Laurent Gbagbo est en route pour la Côte d'Ivoire, nous sommes mobilisés pour accueillir de façon triomphale notre président. Mais malheureusement, le président Alassane Dramane Ouattara, qui nous a promis qu'il s'inscrit dans la dynamique de réconciliation de paix, nous empêche ce matin de recevoir notre président Laurent Gbagbo. Mais je pense que ces militaires qu'il a mis sur la route, ces corps à pied qu'il a mis sur la route, ne nous empêcheront pas de recevoir notre président Laurent Gbagbo. Jamais! Respectez l'arrivée de Gbagbo. On va les montrer comment soigner ça. Aïe.
On nous empêche d'aller à l'aéroport. On dit qu'on vient se stationner à Kouaba. Nous sommes à Kouaba. On lance des acrimogènes sur nous. On nous empêche encore d'accueillir le président. Mais nous sommes là. Allez, coupe-moi. Respectez l'arrivée de Gbagbo. Gbagbo arrive. Libéré! Libéré! Gbagbo arrive! Libéré! Gbagbo arrive! Gbagbo arrive! Libéré! Gbagbo arrive! Libéré! 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 Gbagbo arrive! Soulevez, soulevez la main, soulevez la main! Gbagbo arrive! Libéré! On nous agresse! On nous agresse! On nous agresse! Mais regardez ce qu'ils font. C'est en direct. Voilà. On filme pas les vieux, ça là c'est direct. Yeah, les gemmes ça pleure. Yeah, on a 2000 allez là. Les gemmes, on fait pas vidéo, c'est en direct. Nous on n'a pas âme. Voilà, on a bien chocolaté, regardez. Et c'est récemment un braquet. Il a bien chocolaté. Un vrai citoyen, digne de son pays. Je vais pour accueillir mon président, Mugabe Ouattara. Il a peur. Il a peur. Il a pas venu. Il a peur. Il a pas venu. Il a peur. Mais Laurent Gbagbo arrive. Il arrive. On va régler son compte. Merci. Libéré Gbagbo arrive. Toi, tu utilises vous-même nos frères pour venir nous combattre. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On vous envoie pour venir tuer vos parents. C'est honteux, hein? C'est très très honteux. Vos propres parents, on vous envoie contre eux. Bêtement, tu te lèves, tu viens. Bêtement, tu viens. Nous sommes sans âme. On nous agresse. Avec des acrimaux. Regarde là-bas. Il faut filmer ça aussi. Il faut filmer le chat même aussi. Regardez. Regardez. 43 heures Bimale, les chats sont là sortis. Tout ça pour nous empêcher d'accueillir le président. Regardez, le 43e Bimala fait sortir les chiens. Regardez. Regardez. Donne-nous notre propre pays. Donne-nous notre propre pays. On nous empêche. On nous empêche. On nous empêche. Pendant 10 ans dans la souffrance. Pendant 10 ans dans la souffrance, on n'a pas compris. Nos propres frères militaires, vous venez nous frapper. Pendant 10 ans, nos propres frères militaires. Eh, contre nous, pourquoi? Pourquoi on ne peut pas prendre le président? Pourquoi? Il ne suffit pas de mettre les gemmes seulement, venez, sortez aussi. Sortez massivement. Ne restez pas à la maison pour mettre les gemmes. Nous sommes sur terre pour vous regarder, vous êtes fins. Sortez aussi.